On reprend la parole. Nous sommes dans Job chapitre 7. On va prendre d'abord 2 Timothée chapitre 2. À partir du verset 1er. 2 Timothée 2, à partir du verset 1er. Toi donc, mon fils, sois fortifié dans la grâce qui est en Yehoshua, Mashiach. Et les choses que tu as entendues de moi devant beaucoup de témoins, confie-les à des gens fidèles qui soient capables de les enseigner aussi à d'autres. Toi donc, souffre avec moi comme un bon soldat de Yehoshua, Mashiach. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de cette vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé pour la guerre. Donc on parle de la guerre spirituelle. Et voilà. Et là, on nous dit que nous sommes des soldats et nous sommes enrôlés pour la guerre. Et comme on l'a vu hier, hein, le bon soldat ici signifie expédition militaire. Et toute personne qui se convertit au Seigneur doit être enseignée là-dedans. On doit lui faire comprendre qu'elle est la soldate du Seigneur, que cette personne, cet homme, cette femme sont des soldats du Seigneur. Et pour votre information, ils sont très peu les vrais soldats du Seigneur. Et autour d'eux, vous avez les chrétiens religieux qui ne sont pas convertis, qui peuvent tromper leur femme, lever la main sur leur femme, qui peuvent faire des bêtises. Ils ne sont pas convertis. Et on le voit même ici quand il y a des programmes qui viennent ici. Mais les vrais soldats, il y en a très peu. Voilà. Et nous sommes en guerre. Et comme on a vu cette guerre, c'est la guerre par rapport à la foi. L'ennemi ne veut surtout pas nous voir garder la foi jusqu'à la mort. Vous voyez ? C'est ça notre combat. Notre combat, c'est par rapport à la foi. Et la foi, c'est quelque chose que chacun de nous doit recevoir du Seigneur. Et voilà, chacun de nous. Et au lieu de parler plutôt des églises, on doit plutôt mettre l'accent sur la foi que chacun doit avoir. Et l'objectif, hein, ce n'est pas le fait de fréquenter des assemblées à gauche à droite, d'assister à des réunions, mais c'est de garder la foi jusqu'à la fin. Et ça, c'est pas donné. Hein, à tout, voilà, il y en a qui, comme, malheureusement, font naufrage, comme Paul le dit si bien à Timothée. Voilà. Et pardon. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Il dit combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Voilà. On a vu qu'il y a aussi un faux combat, un combat complètement charnel. Le combat n'est pas charnel, Paul le dit. Hein. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Voilà. Et donc c'est là le combat de la foi. L'ennemi veut vraiment que tu perdes la foi. Alors, il peut servir de n'importe qui, il peut servir des situations, des circonstances, des hommes, des personnes parfois que vous côtoyez dans le quotidien pour que votre foi soit complètement brisée, renversée. Et voilà. Donc, Paul dit à Timothée le combat, le bon combat de la foi. Voilà, on a vu hier le verbe combattre, le premier verbe combattre met l'accent sur. Comment dire, les stades où il y avait des jeux sportifs, les arènes, tout ça. Et le deuxième verbe combattre, c'est vraiment la lutte. Voilà. Donc, premièrement, le Seigneur nous invite, nous établit dans le monde. Le monde, c'est un peu comme un grand stade. Et là, en tant que soldat, nous avons une lutte à mener. Et comme on l'a vu hier, Paul a mené cette lutte sur plusieurs fronts. Il parle des faux frères, il était souvent en péril en mer, sur les fleuves, et parmi les faux frères, avec des brigands, tout ça, et on est en permanence agressé. C'est un combat qui peut être au niveau de la pensée, voilà, des pensées comme ça qui te viennent en permanence pour t'agresser. Ça peut aussi se traduire par des langages, des propos, par des comportements des personnes. Voilà, donc
on peut avoir le feu, on peut chanter bien, on peut prêcher correctement, mais ce que Dieu veut, c'est la fin, la finalité. Voilà. Est-ce qu'à la fin, on va garder la foi ou pas? Et Paul l'a dit dans 2 Timothée 4, il dit à Timothée toujours, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi et j'ai achevé la course, ou j'ai terminé la course. Donc en tant que soldat, nous avons une course. Comme on l'a vu hier, Satan est le dieu de cet âge. Et on a vu, l'âge ici, c'est la chute d'Adam. De la chute d'Adam au retour du Mashiach. Ce temps-là, l'âge du règne du péché. Le règne du péché. Alors là, les humains, nous sommes tous ici et nous sommes comme compressés par le temps, de la naissance à la mort. Et ben, l'ennemi nous agresse. Et maintenant, nous avons aussi, chacun de nous a un temps qui lui est limité. Hein. Dieu sait exactement le jour où il va revenir. Et par rapport aux humains aussi, nous avons un temps. Un âge. Il y en a, leur âge va être 70 ans. Vous voyez ? Naissance, mort. Et pendant ce temps-là, pendant l'âge que Dieu t'a, la durée de vie que le Seigneur t'a donnée sur terre, eh bien, il va falloir que tu gardes ta foi jusqu'à la fin de la naissance spirituelle, la naissance d'en haut, jusqu'à ta mort. Tu vois? Et là, ben, comme Job l'a dit hein, dans Job 7, eh ben, la vie d'un homme sur terre est, n'est-ce pas, est remplie de problèmes. Et l'homme est comme un soldat, voilà, l'être humain, en permanence. Aujourd'hui, ça peut aller un peu, tu peux avoir une sorte d'accalmie, et puis le lendemain, rebelote, tout ça, c'est en permanence, tout le temps. Voilà. C'est pour cela qu'il ne faut pas courir après le ministère. On ne cesse de dire aux enfants de Dieu, ne courez pas après le ministère. Ne cherchez pas à savoir quel est votre ministère. Un véritable enfant de Dieu, on n'a pas besoin de ça. Les vrais appelés dans la Bible n'ont pas été là pour chercher à savoir dans quel ministère Dieu les a appelés. Voilà. Aujourd'hui, chez nous, on voit même chez nous, parmi les frères et sœurs qui suivent les enseignements, là, beaucoup courent après le ministère. On voit le comportement. Après, quand il y en a un qui part en mission, on voit comment ils font beaucoup, beaucoup de bêtises. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'il faut courir après sa relation avec le Seigneur, nourrir sa foi, garder sa foi. Et si vous ne prenez pas, si vous n'êtes pas discipliné là, vous risquez de passer à côté par rapport à l'éternité. Il faut une discipline. Voilà. Il faut une discipline. Pas de surexposition même sur Internet, tout ça là. Vouloir s'exposer à chaque fois alors que le Seigneur n'a rien dit. On est en permanence compressé. Voilà, le Dieu de cet âge travaille. Alors, on l'a vu hier que Dieu est le Dieu des armées. Et sa première armée, c'est d'abord les anges, parce que la parole nous dit que les cieux ont été créés avant la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc d'abord, il y a eu les cieux, et les cieux avec tout ce qui s'y trouve, et les anges, tout ça. Et on a vu qu'il y a d'abord les archanges, parmi lesquels il y a Michael, il y a les archanges, donc des anges guerriers, des anges messagers. Et donc il y a plusieurs armées au ciel, comme la parole le dit. Et on a vu dans les Écritures, dans le psaume 103, Dieu est appelé Yahweh Sabaoth, le Dieu des armées. Hein, c'est, voilà, c'est au pluriel, le Dieu des armées. Il a plusieurs armées. Et on nous parle des anges qui sont puissants en parole et qui exécutent, qui accomplissent sa parole. Et on voit dans tout au long des Écritures comment Dieu pouvait envoyer des anges pour livrer des guerres. Par exemple, une fois il a envoyé l'ange de Yahweh est venu, c'est Dieu lui-même, et avec une seule épée, il a tué près de 185 000 Syriens. Un seul ange. Vous vous rendez compte? A tué 185 000 personnes. Voilà, vous vous rappelez une fois Josué s'est retrouvé devant un ange qui avait une épée nue et l'ange lui dit « Je suis le chef de l'armée ». Vous avez déjà lu ça, non?
Voilà. Et Josué avait eu peur. Un seul ange qui se présenta à lui comme le chef de l'armée de Dieu. Et donc, il y a plusieurs armées comme ça au ciel. Et à la tête de chaque armée, vous avez des archanges. Voilà. Et souvent, même quand les anges messagers étaient envoyés, ben, les démons s'opposaient à eux. Et puis, le Seigneur a envoyé des anges guerriers, comme on a pu le voir dans Daniel, chapitre 10. Dieu envoie un ange messager pour délivrer un message à Daniel. Et il va être interdit d'entrer dans le royaume des Perses, les Mèdes et les Perses, pendant 21 jours. Et il aurait fallu l'intervention de Michael. C'est quand même terrible. Et comme on a pu voir, dans ce combat spirituel, Satan établit des chefs partout. D'accord ? Donc lui, il est le dieu de cet âge. Dieu du monde actuel. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il y a des chefs partout comme ça. Là. Chef, 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 son gouvernement. Et les Écritures nous parlent de dignité. Prenons par exemple Colossiens. Seigneur, merci. Colossiens chapitre 2. Quelqu'un peut nous lire le verset 15, par exemple ? Il a dépouillé les principautés et les puissances et les a exposées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ok, tu peux relire encore ? Il a dépouillé les principautés et les puissances et les a exposées publiquement en spectacle, en okay. triomphant d'elles par la croix. Ok, tu prends également Éphésiens 1. Verset 21. Verset 18 à 20. Qu'il illumine les yeux de votre esprit, afin que vous sachiez quelle est l'espérance de sa vocation et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Éphésiens 1, 18. Et quelle est l'excellente grandeur de sa puissance envers nous qui croyons selon l'efficacité de la puissance de sa force, qu'il a déployée avec efficacité en Machia quand il a ressuscité des morts et qu'il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté et de toute puissance. Et principauté de puissance ou autorité, de toute dignité et de toute domination, et au-dessus de tout nom qui se nomme non seulement dans l'âge présent, mais aussi dans celui qui est à venir. Donc on nous parle des puissances, on nous parle des autorités, on nous parle de dignité même. Et cette dignité-là, il y a aussi, on en trouve aussi chez les anges du Seigneur, il y en a aussi chez les démons. Il faut vous rappeler que quand Satan, dans sa rébellion, est parti du ciel, comme la parole lui dit dans Apocalypse 12, il a entraîné un tiers d'anges avec lui, et parmi lesquels il y a pratiquement toutes sortes d'anges qu'il y a au ciel. C'est-à-dire des séraphes, certainement des chérubins, parce que lui-même était un chérubin, Satan. Sachant que Dieu est assis sur les chérubins. Donc, Ézéchiel 28 nous parle de Satan comme étant un chérubin. Et il va entraîner des chérubins, il va entraîner des anges messagers. Ces anges messagers, comme Gabriel, tout ça, que Dieu a envoyé souvent, que Dieu envoie pour apporter des messages aux gens. Ces anges-là, quand ils ont suivi Satan, les messagers par exemple, ben, ils sont devenus forcément des anges qui donnent des fausses révélations aux gens. Voilà. Donc, tous les démons qui donnent des fausses révélations aux gens. Oh, un prophète a vu la vision d'un ange qui lui a parlé. Ce sont des démons. C'était des anges messagers qui sont devenus des démons. Et c'est eux que Satan a établi pour qu'ils soient à la base des fausses religions, des sectes. Vous voyez ? Et c'est pour cela que souvent, les religions inspirées par les démons ont à leur tête des gens qui ont eu des visitations d'anges. Et quand vous apprenez que, ouais, il y a eu l'apparition de Marie, de Fatima, tout ça, là, ce sont ces anges messagers qui sont devenus des démons.
En fait, quand Satan a fait, quand il est parti, comme je vous ai dit, il y a eu plusieurs types d'anges qui l'ont suivi. Donc, ben, les messagers, comme Gabriel, Satan leur dit, ben, écoutez, vous, vous allez, par exemple, séduire les gens avec des faux messages. Ça va? Tu veux de l'eau un peu? Tu veux de l'eau? Ouais. Non? Avec des faux messages. Vision, songe, prophétie, tout ça. Là. C'est pour ça que Paul parle. Paul dit qu'il faut examiner les visions, les messages, les révélations, tout ça. Là. C'est important. Il faut examiner, il faut juger. Voilà. Et vous vous rappelez, dans Actes 16, il y a eu cette femme avec l'esprit de divination de Python, qui pourtant disait la vérité en disant ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Vous vous rendez compte? On va en parler. Eh bien, elle était possédée par un des démons qui était certainement un ange messager. Voilà. Et si Paul n'avait pas eu le discernement, eh bien, cette femme aurait pu être établie prophétesse de l'Église. Vous vous rendez compte? Donc, ces démons messagers, ben, ces esprits messagers sont devenus, ben, ça connecte les gens avec tout ce qui concerne la voyance, tout ça là, vous voyez, la fausse illumination, les fausses illuminations, et voilà, quand on parle du siècle des Lumières en France, avec la philosophie, tout ça là, les grands philosophes qui ont été comme illuminés, vous voyez, ben, ce sont les démons messagers qui sont venus. Voyez, donc là, on parle de dignité. On parle de principauté. On parle des autorités. Autorité. On parle des puissances. Méchante, hein, dans le lieu céleste. Et tout ça, là, c'est vraiment comme le QG, là, le quartier général de Satan, comme un peu son gouvernement. On retrouve une partie de ces démons dans Éphésiens 6, bien sûr, comme Paul dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés de ce monde de ténèbres, tout ça, contre les dominations et toutes ces puissances-là. Ça, c'est vraiment des esprits, à la fois des esprits religieux, par exemple les puissances, les méchancetés spirituelles, voilà. Les méchancetés spirituelles dans le lieu céleste. Méchanceté spirituelle. Dans les lieux. Spirituel. Et ces méchancetés-là, ben, ils sont dans le lieu céleste. Et ils se positionnent là. Juste après, tu vois, juste après le troisième ciel. Et on retrouve ces puissances-là. Voilà. Et on parle des esprits comme Zeus. Vous voyez, quand vous voyez le panthéon, tout ça là, grec. Et d'ailleurs, on parle de l'Olympia, tout, vous voyez, tout ça là, c'est dans les airs, dans les cieux, carrément là. Et donc, les humains ont tendance à lever les yeux vers eux pour les invoquer. On parle de la reine du ciel, par exemple, dans Jérémie 7, et tout ça. Et après, vous avez les dominations, vous avez les dignités, tout ça. Ce sont des esprits territoriaux, c'est-à-dire des esprits qui gèrent des territoires, comme on l'a vu. Satan tombe avec eux, les entraîne avec lui. Et il y a eu plein d'autres démons qui ont suivi, bien sûr, ces puissances. C'est comme un peu des esprits, comme des archanges un peu, des chefs, voilà, qui ont suivi Satan, qui était un grand chef aussi. Et puis, bon, ben, après, vous avez, comme je vous dis, les esprits territoriaux, ils gèrent des territoires. Et il y en a un qui va gérer, par exemple, toute la France, mais avec son petit gouvernement, d'autres démons et des humains également. Voilà. Donc le président spirituel de la France, comme dans Daniel 10, pardon, le président spirituel de la France, un démon qui gère la France, lui, par exemple, va avoir son gouvernement, il va avoir ses ministres. Paul dit, ce n'est pas étonnant que les ministres de Satan aussi se transforment
hein, se transforme en ministre de justice dans 2 Corinthiens 11. Vous avez vu ça, non? Voilà. Donc, il a ses ministres. Il y a le gouvernement démoniaque spirituel de France, de Belgique, de la RDC, tout ça là. C'est comme ça qu'il faut voir. En fait, l'organisation hiérarchique des gouvernements de ce monde, des autorités de ce monde, n'est rien d'autre que la copie de l'organisation hiérarchique du monde spirituel démoniaque. Et Satan l'a dit dans Luc 4. Il a dit au Seigneur, si tu m'adores, il lui a montré un instant tous les royaumes du monde. Il dit, si tu m'adores, tout ça, ça sera à toi. Voilà. Et lui, il inspire maintenant aux hommes comment ils doivent fonctionner, comment ils doivent mettre en place leur gouvernement, tout ça. Parce que c'est ce que lui, il a mis. Il a mis son royaume en place et tout ça. Et le Seigneur dit, son royaume n'est pas divisé. Voilà, c'est quand même terrible. Donc, il a mis ça en place, toutes formes de dictature. Voilà. Que ce soit la dictature à l'africaine ou la dictature européenne qu'on appelle communément la démocratie. Voilà. Tout ça. Et parce que la vraie gouvernance, selon Dieu, c'est la théocratie. C'est le gouvernement divin dont la constitution, chez les Hébreux à l'époque, était, n'est-ce pas, la Torah. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va être rejeté dans 1 Samuel 8 parce que le peuple va vouloir imiter l'organisation des royaumes du monde, de ce monde. Ils vont dire à Samuel, nous voulons aussi avoir un roi comme d'autres peuples. C'est-à-dire un gouvernement impie. Et le Seigneur dit, ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi. Et ils ont établi un gouvernement impie. Et on a pu voir ce qui s'est passé par la suite. Des rois comme Akab, avec un gouvernement impie, c'est-à-dire Jézabel qui dirigeait le pays. Le pays était Israël, hein, donc vendu à la sorcellerie, consacré à la sorcellerie, notamment à deux divinités principales, Baal et Astarté. Vous voyez, Baal, c'est le ciel, le dieu de la pluie. Astarté, c'est la terre. Donc c'était un couple, en fait. Baal ensemençait la terre par la pluie. Voilà pourquoi c'était un couple. Il y avait souvent des divinités comme ça, là. Soit des triades, soit des couples. Et maintenant, dans le gouvernement d'Akab, il y avait 850 faux prophètes, c'est-à-dire des satanistes, qui mangeaient à la table de Jézabel. Notez bien la table de Jézabel. On va revenir là-dessus. Ou la table des démons. Nous sommes dans un roi. Seigneur, merci pour ta parole. Tu nous inspires, Saint-Esprit, merci. Un roi, chapitre 18. Alors nous allons lire à partir du verset 17. Et aussitôt qu'Akab eut vu Élia, il lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Et Élia lui répondit, je n'ai pas troublé Israël, mais c'est toi et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de Yahweh et que vous êtes allé après les Baalim. Hein, les Baalim, c'est au pluriel. Et maintenant, envoie et fais rassembler tout Israël auprès de moi sur le mont Carmel, les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Asherah qui mangent à la table de Jézabel. Voilà le gouvernement d'Israël à l'époque. C'est écrit, hein? Avec 850 sorciers qui dirigeaient le pays. Et on retrouve ce fonctionnement dans nos pays. Vous avez les présidents et autour d'eux, vous avez des ministres qui sont pour la plupart des francs-maçons, des rosicruciens, des gens qui font allégeance à Satan, qui servent le diable, qui boivent le sang, du sang humain, et qui font des réunions mystiques dans le monde spirituel qui sortent de leur corps. Vous voyez?
Il y a une table, on va revenir dessus. Une table de dressée. Et vous allez voir effectivement quand il y a des réunions, gouvernementales, tout ça dans le monde, hein, ben, il y a une table. Voilà. Et il y a la table du Seigneur, il y a aussi la table du diable, table des démons. Et Satan aime imiter Dieu, mais dans le mauvais sens. Voilà. Et Élie, à l'époque, était le seul prophète sur le plan public. Il y avait 7000 prophètes qui étaient cachés. Mais lui, il était sur la scène publique parce qu'il avait un mandat spécial pour libérer la nation. Et à votre avis, autour de cette table-là, ces prophètes-là mangeaient quoi? Donc là, nous sommes en train de parler maintenant du gouvernement de Satan, c'est-à-dire des humains, des agents de Satan qui peuvent infiltrer les assemblées, qui peuvent diriger des pays, des villes. Vous voyez? C'est une guerre que nous menons. Élie a mené cette guerre-là. Vous vous rendez compte? Ces 850 ministres de Satan étaient les représentants officiels de Baal et d'Astarté, d'Akhéra. Ces deux divinités principales qui géraient la nation. Et Jézabel était une femme très, très ancrée dans la sorcellerie. Elle a réussi à envoûter tout un pays. Une seule femme. À faire décapiter tous les vrais prophètes et à établir un culte idolâtre des pratiques sorcières, démoniaques dans tout le pays. Et au point où le peuple était envoûté. Et c'est terrible. Le gouvernement de Satan, les ministres de Satan, les sorciers au service de Satan. Donc le combat spirituel, c'est le thème principal. Et là, le sous-thème, là, c'est les satanistes au service de Satan. Et ici, nous avons un bel exemple de ces satanistes-là qui se sont bien infiltrés. Donc c'est une guerre que nous menons. Donc non seulement que des pays sont géré par des puissances occultes, comme on l'a vu, il y a le gouvernement de Satan, les dignités, les principautés, les autorités, les méchancetés spirituelles dans le lieu céleste, tout ça qui sont souvent des esprits religieux que les hommes invoquent, qui apparaissent aux gens. Oh, Marie est apparue à quelqu'un, les gens disent, oh, vraiment, c'était magnifique, ah, quelqu'un m'a parlé, tout ça. Là. Je me rappelle, une fois, je dormais comme ça, puis plusieurs fois, j'ai eu des visions, Satan est venu, une fois, il est venu. Enfin, je suis allé en Allemagne, à Stuttgart, en mission. Et dès la première nuit, j'ai vu un groupe de frères et sœurs adorant un faux Jésus. Et je leur ai dit, mais ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Yeshua, c'est un démon, c'est le diable. Ils ont dit, non, c'est Jésus. Je leur ai dit, ce n'est pas Jésus. Et ils étaient à genoux. Je leur ai dit, mais ce n'est pas Jésus. C'était le diable carrément, là, déguisé, transformé. Et ensuite, il s'est montré tel qu'il est. Et là, tout le monde a vu que c'était le diable. Et je me rappelle ce jour-là, il a pris la Bible. J'avais une Bible, il a commencé à courir avec. J'ai couru après lui, j'ai récupéré ma Bible et je me suis réveillé. Le Seigneur m'a dit, ici, les églises adorent un faux Jésus. Waouh, Seigneur. Ensuite, toujours une autre vision, là, je reçois et je vois deux pigeons qui viennent et qui me prennent. Un à ma gauche, un deuxième à ma droite, il m'amène sur une espèce de montagne. Dessus, il y avait une statue de faux Yeshua. Et la statue bougeait comme ça, et puis elle se présentait à moi comme Jésus. Je dis, non, t'es pas Jésus, tout ça. Elle dit, si. Je me pose la question, donne-moi le nom du Père. Cette statue me dit, le Père n'a pas de nom. Je lui dis, si, je veux voir le Père a un nom, donne-moi son nom. Et là, je lui dis, je veux voir maintenant le Père, le vrai Jésus. Et là, le ciel s'ouvrir, j'ai vu le ciel s'ouvrir et le Seigneur est descendu. Et là, je me suis réveillé du Seigneur, mais c'est terrible ça. Et ce démon-là, justement, qui travaille dans les assemblées. Vous voyez, je vous ai dit, c'est une guerre. Donc, regardez dans 2 Corinthiens 11.
Donc, ce qui se passait à l'époque d'Akab, de Jézabel, où tout un pays était attiré, consacré à la sorcellerie, ben, on le voit également aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Vous voyez ? Et là, non seulement sur le plan politique, ce n'est dans les pays, mais également dans les assemblées. Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, au verset 13, « Car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs qui se transforment en apôtres du Machir. » Donc là, Satan a ses ouvriers. On a vu les démons, hein, rapidement, son gouvernement. On a vu qu'il y a des chefs à la tête de chaque pays, et avec leur gouvernement des démons, et en dessous, vous avez des humains qui sont les agents de Satan. D'accord ? Et certains agents sont envoyés dans les assemblées. D'autres dirigent les pays, hein, sur le plan politique, d'autres sur le plan religieux. Et là, nous allons parler du côté religieux, de l'aspect religieux. L'infiltration des agents de Satan dans le monde, dans les assemblées. Et là, Paul dit, ce sont des ouvriers trompeurs. Et ils se transforment. Ils se transforment. Et cela, il dit, ils se transforment. Et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. J'entends des chrétiens dire, Satan, c'est l'ange de lumière. Non. C'est Dieu qui est la lumière. Satan se transforme, il se transforme en ange de lumière. Vous voyez, il est totalement ténébreux, Satan. Mais il est tellement malin qu'il est capable de produire une fausse lumière qui peut éblouir même certains chrétiens. Au point même l'apôtre Jean, quand il a vu la Babylone, il a admiré dans Apocalypse 17. Et l'ange lui dit, pourquoi l'admires-tu? Je te dirai le mystère. Donc si l'ange n'avait pas ouvert, dévoilé le mystère à Jean, l'apôtre, Jean serait devenu serviteur de Babylone. C'est chaud. Et il dit, ce n'est donc pas un grand sujet d'étonnement si ses serviteurs aussi se transforment en serviteurs de justice, mais leur fin sera conforme à leurs œuvres. Il dit, au verset 20, si quelqu'un vous réduit en esclavage, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un s'élève au-dessus de vous, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. Vous voyez ? Et plus loin, au verset, plus loin, dans 2 Corinthiens chapitre 11, toujours, on va prendre verset 3, il dit, mais je crains que, comme le serpent a trompé Ève par sa ruse, vos pensées aussi ne se corrompent en se détournant de la simplicité qui est en Machir. Car si quelqu'un, en effet, vient vous prêcher un autre Yehoshua, donc nous apprenons sur les Écritures qu'il y a un autre Jésus. Donc vous voyez comment Satan fait? Il copie, mais à l'envers. Donc pour tromper les chrétiens, il leur présente un faux Jésus. Et ce faux Jésus est venu me voir deux ou trois fois, comme je vous l'ai dit. Donc il y a un faux Jésus, il dit que nous n'avons pas prêché. Et regardez le Jésus qui est prêché dans les églises aujourd'hui, dans la majorité des églises aujourd'hui. Ce n'est pas le Jésus de la Bible. Ben oui, c'est un autre Jésus. Parce que le Jésus de la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et regardez le Jésus-Christ d'aujourd'hui. Vous sortez à peine que le culte finit, vous avez un petit coin là-bas réservé où on va vous proposer d'acheter des CD, des ouvrages. Vous voyez, on fait faire des, comment dire, il y a des prédicateurs qui avaient reçu l'appel véritablement, comme il y en a un en France, d'origine du Maghreb, que certainement Dieu avait appelé, je suis convaincu de cela, mais aujourd'hui qu'on a transformé en un présentateur d'une, n'est-ce pas, d'un théâtre sur le couscous. Vous voyez? Donc, ce n'est plus le Jésus-Christ de la Bible. Le Jésus-Christ de la Bible se cachait. Mais quand on voit la plupart des pasteurs aujourd'hui qui sont sur Internet, on va commencer à prier même en disant, nous prions le Dieu de tel pasteur.
sorcellerie. Mais comment faire comprendre ça aux chrétiens? Ils sont tellement devenus idolâtres. Vous avez vu Paul dire à quelqu'un, tu dois prier le Dieu de Paul? Vous avez vu ça? Voilà. C'est écrit ou pas? On va vous dire, mais oui, mais il y a le Dieu d'Abraham, tout ça. Mais ça, c'est un autre temps, c'est un autre temps. Le Dieu d'Abraham, Isaac et d'Israël est venu en chair et il nous a dit que nous devons tout faire ensemble. Non! Et on nous dit que sous le ciel, il y a un autre nom, aucun autre nom qui nous est donné, grâce auquel nous devions être sauvés. C'est écrit dans vos Bibles. Mais des chrétiens vont dire, j'ai invoqué le Dieu de Chora. Non, mais qu'est-ce qui vous arrive? C'est un autre Jésus. Et si moi j'accepte ça, automatiquement vous commencez à prier un autre Jésus. Et à la fin, vous allez vous rendre compte qu'en fait vous êtes devant l'enfer et c'est fini. Et vous tombez dedans. Et beaucoup de chrétiens sont naïfs. Nous parlons de l'armée de Satan, l'armée humaine de Satan, qui est constituée des faux politiciens qui sont des francs-maçons, des rosicristiens, des mystiques, et aussi des faux, n'est-ce pas, chrétiens, pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs, chantres, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire une autre église. Et la vraie église, ce n'est pas celle que vous voyez là. Non. Si vous me posez la question, elle se trouve où? Je ne vous dirai pas parce que je ne la vois pas. Dieu seul la connaît. Il y en a deux là-bas, trois là-bas, quatre là-bas, cinq là-bas, tout ça. Mais les institutions ecclésiastiques telles que vous les connaissez aujourd'hui sont inspirées, contrôlées, dirigées par les démons. Vous comprenez? Comme les Hébreux qui servaient Baal, le dieu de la prospérité, c'est ça Baal, le dieu de la pluie, et Astarté, le dieu des richesses. Les deux, c'était les deux divinités de la prospérité financière matérielle, les divinités de la facilité, les divinités qui réclamaient des sacrifices, tout un des sacrifices. C'est l'évangile que l'on prêche aujourd'hui aux uns aux autres, que beaucoup prêchent. Paul dit, un autre Jésus, que nous n'avons pas prêché. Qu'est-ce que Paul a prêché? Vous avez un prophète en Côte d'Ivoire aujourd'hui qui est suivi par des milliers de gens aujourd'hui dans le monde entier et qui dit que Jésus-Christ est du passé et qui a beaucoup d'adeptes et qui vont dire que pour être sauvé, tout le monde doit passer par ce prophète-là. Il dit que Paul a prêché l'évangile en son temps, Martin Luther, le réformateur allemand, et lui maintenant, cet âge-là, c'est lui maintenant. Et que Jésus, c'est du passé. Et vous vous rendez compte? Il dit que Paul a prêché l'évangile, donc il croit en Paul, mais Paul dit quoi? Paul dit quoi? Nous sommes dans 1 Corinthiens 15. Nous parlons du combat spirituel, nous parlons de la guerre spirituelle. C'est une guerre par rapport à la foi, je vous ai dit. Hein. C'est une guerre par rapport à la foi, vous comprenez? Voilà. 1 Corinthiens 15. Après, on va revenir sur 2 Corinthiens. Vous allez voir ce que Paul a prêché. Paul dit, au verset 1er, « Or, je vous fais connaître, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous demeurez ferme et par le moyen duquel vous êtes sauvés, si vous retenez cette parole telle que je vous l'ai annoncée, à moins que vous n'ayez cru en vain. Car avant toute chose, je vous ai donné ce que j'avais aussi reçu, que Machia est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les et qu'il est apparu à Céphas et ensuite aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont certes quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacob et ensuite à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi comme à un avorton. Car je suis le plus petit des apôtres et je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu.
Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, mais j'ai travaillé plus que tous, toutefois non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, le verset qui nous intéresse aussi, ainsi donc, que ce soit moi, ainsi donc, que ce soit moi ou eux, voilà ce que nous prêchons, et vous l'avez cru ainsi. On est d'accord, hein? Voilà. Donc, quand cet homme dit que Paul a prêché en son temps, la vérité c'est vrai, en son temps, et au temps de Paul, pour tous ceux qui voulaient être sauvés devaient passer par Paul, c'est faux, c'est pas ce que Paul a dit. Paul dit, est-ce en mon nom que vous êtes baptisés? Non. Est-ce Paul qui est crucifié pour vous? Non. Il a présenté Christ. Il a dit dans 1 Corinthiens 2, je ne veux rien savoir parmi vous que Christ est Christ crucifié. Mais dans cette génération, il y a beaucoup parmi vous, là, beaucoup de chrétiens, beaucoup parmi les humains vont en enfer parce qu'ils ne veulent plus de la parole du Seigneur. Parce que les satanistes sont pris en otage, les églises, 80, plus de 95% des églises visibles. Ce n'est plus. Avec des fausses doctrines, qui sont des esprits, des doctrines des démons comme Paul l'a reçu. Inspiré par des démons, ça sort directement de l'enfer. Ça sort directement du gouvernement de ces démons, de ces puissances territoriales. Et il dit, voilà ce que nous prêchons, que ce soit Pierre, Jacques, tout ça là, ou Jacob et moi, eux tous, on a un seul message, un seul et même message. Vous l'avez vu Paul? Vous avez vu Paul prendre la dîme de quelqu'un? Non. Vous avez vu Paul vouloir construire un grand bâtiment? Tout ça, il faut donner l'argent pour construire l'église? Non. Paul disait que, il disait quoi? Dans Éphésiens 2:20, nous sommes édifiés, nous sommes déjà bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Yeshua est la pierre angulaire. Paul dit dans 1 Corinthiens 3:11, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Yeshua Mashiach. Il dit personne d'autre n'est le fondement. Personne d'autre. Personne. Donc quand vous allez invoquer d'autres divinités en disant nous prions le Dieu d'un tel, en parlant des pasteurs, vous êtes dans l'idolâtrie. Si vous mourrez comme ça, vous allez en enfer. Et vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas averti. C'est pour cela qu'il ne faut jamais associer même nos noms là à l'œuvre que Dieu fait. Jamais. Vous avez la parole, mais vous allez chercher des vidéos à gauche, à droite, tout ça là. Parce que c'est la génération qui veut ça, parce que le Seigneur nous a prévenus. Vous voyez? Et nous revenons à 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 4. Car si quelqu'un, en effet, vient vous prêcher un autre Yehoshua, que nous n'avons pas prêché, c'est-à-dire le Yehoshua, le Jésus qui demande ta dîme, qui demande ton offrande d'action de grâce, qui demande à ce que l'on construise, n'est-ce pas, des grands bâtiments qu'on appelle l'église alors que l'église est déjà bâtie, voyez, qui demande aux chrétiens de faire une formation théologique pour être ordonné pasteur, tout ça là, c'est un autre Jésus. Et deuxièmement, Paul dit, il n'y a pas seulement un autre Jésus. Et il dit quoi? Un autre, il dit, ou si vous recevez un autre esprit que celui que nous, hein, que vous avez reçu, un autre esprit. Donc, ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit, on est d'accord, c'est écrit, hein. Mais il dit que si on ne fait pas attention, on peut recevoir aussi un autre esprit. Amen. Tu te rends compte, chez? Et si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, quel est l'esprit qu'ils avaient reçu en premier? L'esprit de sainteté, l'esprit de vérité. Car celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. L'esprit de Christ révèle Christ, on est d'accord? Car il ne parlera pas de lui-même, le Seigneur a dit, mais il parlera de moi. Mais un autre esprit, quand il vient, il parle de l'homme de Dieu. C'est un démon. C'est pour cela que quand des chrétiens viennent nous voir à chaque fois, frère, je vais te voir, je te reçois une fois, deux fois, mais si tu commences à me prendre pour ton thérapeute, je te dis, tu arrêtes. Je ne suis pas là pour commencer à parler des problèmes de couple, tout ça, parce que si tu es mature, tu es censé savoir comment parler à une femme, comment parler à un homme.
Parce qu'on n'est pas là comme des thérapeutes pour vous écouter, pour vous recevoir, comme si on était des médecins et faire la queue. Là. Non, ce n'est pas ça l'évangile. C'est quoi cet évangile démoniaque? Alléluia. Donc, l'heure est grave, hein, frère. Hein. Écoutez, hein, on parle du combat spirituel, la guerre, mais c'est là. Là. Mais c'est ta foi qui est menacée parce que si tu, après avoir commencé avec le vrai Jésus, tu vires vers un autre Jésus. Et ensuite, un autre esprit. Qui n'est plus l'esprit de sainteté, de vérité. Où l'accent n'est plus mis sur la crainte de Dieu, la sanctification, l'humilité, la sainteté, l'amour de la vérité. Là, c'est un autre esprit. C'est l'esprit d'Antichrist. Et dans Jean 1, Jean là-bas, Jean dit il y a deux esprits. Il y a l'esprit de vérité et l'esprit de l'égarement ou de l'erreur. Ben oui. Donc il y a des gens qui ont reçu l'esprit de vérité, mais avec le temps, ils ont baissé la garde et ils ont reçu maintenant un autre esprit. On va voir quand un autre esprit vient, qu'est-ce qui se passe. On va prendre l'exemple d'une église dans la Bible. Une de sept églises. Le combat spirituel. Et l'autre esprit, quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Je vais vous montrer ce que l'autre esprit fait. Nous sommes dans Apocalypse 13. Regardez Apocalypse 13. Apocalypse 13, verset 11. Puis je vis une autre bête qui montait de la terre et qu'il y avait deux cornes semblables à celles de l'agneau. Mais qui n'était pas l'agneau, hein? Mais elle parlait comme le dragon. Méfiez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements des brebis. Mais au fond d'eux, ce sont des loups ravisseurs, c'est-à-dire le diable. Et ce faux prophète-là, cette bête, c'est un autre esprit, en fait, qui vient avec une apparence de piété. Voilà. Et qu'est-ce que cet esprit fait? Regardez bien. Et elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. La première bête, c'est le faux Jésus, c'est l'Antichrist. Et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer qui? La première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc, un autre esprit, quand il vient, quand il rentre dans un foyer, dans une maison, dans une famille ou dans une assemblée, ça va commencer à élever l'homme. Et non pas la parole du Seigneur. Vous allez voir sur leur site, vous allez voir dans les bâtiments de leurs églises, il y a leurs photos. Ce n'est plus l'évangile. Quand vous voyez ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Car le Saint-Esprit, quand il vient, Jésus a dit dans Jean, il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de Jésus, de moi. Et il me glorifiera, c'est-à-dire Jésus. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et Jésus a dit aux apôtres, gardez tout ce que je vous ai prescrit. C'est ça, le Saint-Esprit. Et je peux vous assurer que les serviteurs de Lucifer, là, qui font partie de son armée terrestre, font des dégâts terribles. Donc, un faux Jésus, un faux esprit, l'esprit d'égarement, et la troisième chose, Paul dit, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez très bien. Donc ils avaient reçu le vrai Jésus, ils l'ont abandonné. Ils avaient reçu le vrai esprit, ils l'ont rejeté. Ils avaient reçu le vrai évangile, basé sur Jésus, ils l'ont rejeté. Et à la place, ils ont pris un faux Jésus, l'Antichrist. Ils ont pris un faux esprit. L'esprit qui glorifie les hommes de Dieu, soi-disant. Papa, avec ses enseignements sur les pères spirituels, les mamans spirituelles, sur l'homme, tu es un champion, tu es si, ça glorifie l'homme, ça déifie l'homme. Et qu'est-ce que Paul dit? Romains 1, Paul dit quoi? Romains chapitre 1er.
Regardez bien, mes amis, ce que Paul dit, c'est grave. Le combat spirituel. Paul dit au verset 18, « Car la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et contre toute injustice des humains qui retiennent la vérité captive dans l'injustice, parce que ce que l'on peut connaître de Dieu est manifeste parmi eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les choses invisibles de Dieu, mais aussi sa puissance éternelle et sa divinité, se voient clairement depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages pour qu'ils soient inexcusables. » Parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils sont devenus vains dans leur discours et leur cœur destitué d'intelligence a été rempli de ténèbres. Prétendant être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont quoi ? Changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant qui ? L'être humain corruptible et des oiseaux et des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi aussi Dieu les a livrés au désir de leur propre cœur, de sorte qu'ils se sont abandonnés à l'impureté, déshonorant entre eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge et qui ont adoré la créature en lui rendant un culte au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Vous avez vu ? Voilà ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. La créature est adorée. Dans la Bible, dans le message évangélique, un pasteur ne doit pas rester à la tête de l'assemblée depuis des années. Et si vous voyez une église avec un pasteur depuis plus de 10 ans, vous devez comprendre que cette église est gérée par un autre esprit, l'esprit d'Antichrist, même si les gens sont sincères là-dedans. Parce qu'on doit former et laisser les gens. C'est ça l'évangile. Ils ont transformé, c'est-à-dire les serviteurs de Baal, serviteurs d'Astarté, les faux ouvriers, les ministres de Satan, ils ont transformé les églises en entreprises. Tout simplement. Et dedans, vous avez un faux Jésus, vous avez un esprit de l'erreur ou d'égarement, et vous avez un autre évangile, ce qu'on appelle l'évangile humaniste, l'évangile humain. L'évangile qui glorifie non pas Dieu, mais l'homme. Et voilà pourquoi vous allez voir ces chantres-là. Il y en a même chez nous. Hein. Il y en a qui ont commencé à se réveiller, peut-être, je pense, qui vous voyez, sur Facebook, ça sort de restaurants, photos, machin, tout ça. C'est nous. Toujours l'homme. Vous voyez, avec les réseaux, l'objectif des réseaux, là, je vous dis une chose, hein, c'est l'ennemi qui a inspiré ça. Quand on s'en sert, c'est pour diffuser la parole, pour se cacher. Mais aujourd'hui, c'est pour glorifier l'être humain. Vous avez vu ? Ils ont échangé leur gloire contre la gloire de l'homme. C'est ça le principe des réseaux sociaux, c'est mettre en valeur l'humanité pécheresse. La glorification de ta chair. La surexposition de ta vie. Tous ceux qui ont des réseaux là, avec leurs photos là, vous aurez des jugements à rendre au Seigneur. Je vous dis dans la parole du Seigneur là, des jugements terribles. Vous vous cachez là, derrière la parole, vous pensez que Dieu ne vous voit pas. On vous parle depuis des années, vous ne voulez rien écouter parce que vous savez pourquoi beaucoup n'écoutent pas parce qu'ils ne sont pas de Dieu, tout simplement. Vous pouvez avoir des belles voix, prêcher bien comme il faut, mais vous n'êtes pas de Dieu, je tiens à vous le dire. Parce que quand la vérité ne vous veut plus réagir, là, tout ça, là, vous n'êtes pas de Dieu, vous êtes d'une autre semence. Quoi que l'on fasse, vous, comme Judas, il n'y a rien à faire. Vous vous levez le matin, vous êtes sur un réseau, parlez de votre vie. Ouais, je fais ci, voilà, machin, tout ça. C'est que ça, c'est la glorification de la chair. C'est ce que la parole dit ici. Ils ont préféré servir et adorer la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Jean pouvait dire qu'il croit, c'est que je diminue. Aujourd'hui, avec les raisons, on vous dit, glorifiez-vous, n'est-ce pas, manifestez-vous et que Dieu diminue en vous. Continuez à vous exposer comme ça, afin que tous les démons voient comment vous fonctionnez. Continuez à nourrir, à alimenter l'enfer comme ça, là, avec vos images. De toute façon, le Seigneur me dit de vous dire, là, cette génération, là, même ici, là, beaucoup vont en enfer, quoi que l'on fasse. Beaucoup sont comme réprouvés, il n'y a plus rien à faire. Ils ne se rendent même pas compte que Dieu les a réprouvés. Plus rien à faire.
Et c'est terrible. Les gens meurent. Même chez nous, je vous dis, ils meurent, ils se retrouvent en enfer. Seigneur, comment? Ben, t'as appliqué quoi là? Regarde ta vie. Regarde. Je t'ai envoyé sur terre pour que tu sois caché, pour que moi je sois vu. Mais regarde, t'as fait quoi? Tu vas parler de toi. C'est un autre esprit. Et Dieu les a livrés à leur sens et réprouvés. C'est ça les églises d'aujourd'hui. Livrés. Il n'y a plus rien à faire. Allez, vous avez vu comment ça fonctionne? C'est grave. Paul dit quoi? Paul dit, l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns abandonneront la foi. Le combat, c'est le combat de la foi. Ils abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs, Paul dit. Ben oui, ce sont ces esprits-là, ces faux prophètes qui sont gérés par ces esprits-là et qui vont dans les nations, dans le monde, créer des églises, créer des religions dans le but de tromper les gens. Comment? Ben par des fausses doctrines. Ben oui, ils vont se servir de la même Bible et ils vont déblatérer toutes sortes de fausses doctrines. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et quand tu entends une doctrine qui glorifie ton ministère, qui glorifie ta chair, tu acceptes ça. Vous voyez? C'est grave. Et par l'hypocrisie de faux docteurs, de pseudo-docteurs, c'est écrit noir sur blanc, 1 Timothée 4, par l'hypocrisie, c'est-à-dire, l'hypocrisie, s'il faut comprendre, c'est des acteurs, des gens qui jouent un rôle, c'est-à-dire dans ce combat spirituel dans lequel tu es, toi et moi, là, que nous sommes, toi et moi, mon frère, ma sœur, eh ben, vous avez les ministres de Satan qui font partie de l'armée terrestre, qui sont hypocrites, qui jouent un rôle, qui n'ont pas rencontré Dieu, Dieu ne les a pas appelés. Il y en a qui sont satanistes déclarés, c'est-à-dire consciemment. D'autres sont inconscients, mais sont au service de Lucifer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Satan a dressé une table. Et ces hommes et ces femmes, qui sont chantres, qui sont chrétiens, soi-disant, qui sont pasteurs, prophètes, prophétesses, tout ce que vous voulez, ils mangent à la table de démons. C'est-à-dire, manger ici, c'est, vous savez, ils ont copié, Satan a copié la table du Seigneur, mais dans le mauvais sens. Dans la table du Seigneur, sur la table du Seigneur, il y avait 12 pains, hein, qui étaient renouvelés chaque Shabbat. Donc, il y avait un renouvellement du message. Mais sur la table des démons, là, vous avez, hein, un autre pain, les fausses doctrines, dont l'une constitue à glorifier l'homme. Voilà pourquoi vous priez, quand beaucoup de chrétiens prient, ils disent, ben, nous prions au nom, j'invoque le Dieu de mon pasteur, un démon. Même quand ils disent Jésus. Non, en fait, oh, j'invoque Jésus, le Dieu de mon pasteur. Non. Donc, quand tu dis Jésus, le Dieu de mon pasteur, toi, tu connais la vie de ton pasteur, de ce pasteur-là, tu connais sa relation avec Dieu. Mais si les francs-maçons, quand tu dis Jésus, le Dieu de mon pasteur, mais c'est un faux Jésus, tu invoques un démon qui vient et qui te pénètre. Vous avez des chantres, même soi-disant des frères, qui sont même chez nous, là, qui vont écouter Juanita. Et qui vous disent, non, moi j'écoute Juanita. Vous recevez le démon qui travaille avec cette femme-là, qui s'est mariée, qui a divorcé 2 ou 3 fois, et qui s'est remariée, tout ça, une impudique. Et vous allez l'écouter. Et vous venez jouer, piano, machin, tout ça, là. Combien les gens ici, même parmi vous, sont envoûtés par ces choses-là? Vous ne comprenez pas. Vous dites, non, c'est pas grave. C'est un esprit qu'il y a derrière, là. La foi vient de ce qu'on entend. Dieu nous avertit. Ce que l'on entend, ce sont là mal inspirés par des démons. Là. Quand ça rentre, ça mène quoi? Alléluia. Vous voyez? 1 Corinthiens chapitre 10. On va voir. 1 Corinthiens 10. Parce que les satanistes là, qui sont dans les assemblées, mangent à la table des démons. 1 Corinthiens chapitre 10. Regarde verset 19. Que dis-je donc? Que l'idole soit quelque chose ou que ce qui est sacrifié à l'idole soit quelque chose? Nullement. Mais je dis que les choses que les nations sacrifient, elles les sacrifient à qui? À des démons. Et non à? À sacrifier. Ici on parle de sacrifice, n'est-ce pas, d'animaux. Mais il y a une autre forme de sacrifice. C'est-à-dire que
une forme de louange là que l'on fait dans nos églises là, cette musique là, des gens qui chantent, mais on le voit sur les réseaux comme des stars, mais ce sont des sacrifices qu'ils font à des démons. Vous croyez quoi? Parce que dans Hébreu là-bas, on dit Dieu aime les sacrifices de louange de nos lèvres. Donc vous voyez, il y a des sacrifices humains, sacrifices d'animaux et sacrifices de louange de nos lèvres. Donc ces gens qui chantent là, mais qui sont des stars, hein, qui font des concerts, comme j'ai vu, on m'a envoyé une affiche des gens, même il y en a même une qui est avec nous là, tout ça là, où on dit 30 dollars pour avoir des selfies avec les chantres. Sacrifice des démons. C'est des gens qui sont possédés par le diable, des démons, et qui vous envoûtent avec leur musique. Et ils vous entraînent avec eux. L'heure est grave, hein? Ouais. Voyez? Seigneur, sauve-nous. Et Paul continue. Or, je ne veux pas que vous soyez, qu'est-ce qu'il dit? Que vous soyez en communion, mais en fait, on a rectifié ça. Le mot exact dans la dernière version, que vous soyez les associés des démons. Ah! Quand Paul, quand vous lisez dans les écritures de Paul, Timothée, mon associé, vous avez lu ça, non? Quelque chose comme ça, là. Hein? Tite, mon associé. En fait, c'est le même terme. Le mot, c'est associé. Donc, les associés de, les serviteurs de Satan, là. Les hommes et les femmes, des faux chrétiens, ils sont associés. Ce sont des associés des démons. C'est-à-dire leurs compagnons d'œuvre, ce sont les démons. Et il y en a plein dans la parole. Moïse a eu affaire à eux. Jannès et Jambrès, magicien de Pharaon, qui imitait les miracles. Vous voyez? Le diacre Philippe a eu affaire à ces gens-là. Simon le magicien, on nous dit qu'il pratiquait des arts magiques. Et il se faisait passer pour un grand homme. Et les gens disaient même que ça, c'est la puissance de Dieu. C'est écrit dans Acte 8, vous l'avez déjà lu. Hein. Vous voyez la confusion, même actuellement, la confusion actuellement dans les églises. Voilà. Donc Satan voyait ces gens. Vous avez vu Bar Jésus? On l'appelait Bar ou encore Ben Jésus, fils de Yehoshua. Hein? Parce que Bar ici, la barre, c'est de l'araméen, hein, dont l'équivalent hébraïque et hébreu est Ben. Ben Yehoshua. C'est-à-dire ce faux prophète se faisait passer pour le fils de Dieu. Et lui, son rôle, c'était quoi? Dans Acte 13, il contrôlait un gouverneur, le gouverneur d'une région. C'est ce qui se passe également. Vous voyez pourquoi beaucoup de dirigeants politiques ont pour associer des marabouts, des voyants, des médiums. Eh bien, les faux pasteurs, les faux apôtres, les faux chrétiens, ils ont pour associer des démons. Et Paul dit, vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Donc, il y a une coupe. La coupe des démons. Il y a une coupe, hein. Et il y a deux coupes. La coupe du Seigneur et la coupe des démons. La coupe des démons, on la voit dans Apocalypse 17, que cette femme, la fausse église, a dans sa main. Et cette coupe est remplie du vin de sa débauche pour enivrer les gens. Il n'y a qu'à voir sur le net toutes ces vidéos des pasteurs qui marchent sur les gens, qui font boire du pétrole aux gens, tout ça là. Les gens sont ivres du sexe. Tous ces pasteurs divorcés, remariés. Tous ces chrétiens divorcés, remariés. L'ivresse du succès dans le ministère. Au point où il y en a des prédicateurs qui ont 3-4 qui sont sur Instagram, on voit leurs photos, sur Facebook, on voit leurs photos. C'est des stars, ce n'est plus Jésus. Vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas que ce n'est pas l'évangile? Combien de fois doit-on vous le dire? Ils boivent tous la coupe des démons. Ils sont ivres.
Le Seigneur dit, cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance. C'est la coupe de la souffrance, du rejet, de la persécution. La coupe des démons enivre les gens. Ils sont ivres de leurs pasteurs, ivres de leurs prophètes, ivres de leurs églises. Ivres du sexe. Ivres d'eux-mêmes. Et il dit, et vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Comme les 850 faux prophètes de Baal et d'Astarté qui mangeaient, qui étaient assis autour de la table de Jézabel et qui mangeaient ses mets succulents. Il y a le prophète Daniel qui a refusé de manger à la table de Nabuchodonosor. Mais combien parmi vous vont sur le net pour manger à la table des démons qui boivent la coupe des démons ici? On dit cette parole est dure. Il n'y a pas l'amour. Oh, l'heure est grave. La table des démons. Et l'église de Thyatire a bu la coupe de démons et a mangé la table de démons. Apocalypse chapitre 2. Oh, ce message peut vous choquer, mais ce n'est pas mon problème. Non. L'heure est grave. Apocalypse chapitre 2, nous lisons à partir du verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du cuivre ardent. Vous allez voir ici que le Seigneur s'est révélé à cette église de manière bien spécifique, hein, et à chacune d'elles d'ailleurs. Et en fonction de la révélation que ces églises recevaient, en fait, le Seigneur s'est révélé à chacune de ces églises par rapport aux choses qui s'y passaient. Et ici, il se révèle comme celui qui a les yeux comment? Ah! Des yeux en flamme de feu, n'est-ce pas? C'est-à-dire des yeux qui voient en profondeur. Vous allez voir pourquoi. Ah! Il n'y a pas de hasard. Il a commencé par se présenter comme ça. Je connais tes œuvres, ton amour, ton service, ta foi, ta patience. Je sais que, n'est-ce pas, tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Mais j'ai quelque peu de choses contre toi, puisque tu laisses la femme Jézabel. Donc, vous voyez, une autre servante de Satan, quelqu'un qui était un des ministres de Satan, qui a infiltré une église. Celle qui se dit elle-même prophétesse, elle-même. Voilà. C'est ce que le grec précise aussi. Hein. Elle enseigne et égare mes esclaves. Pourquoi? Pour qu'ils se prostituent et qu'ils mangent des viandes sacrifiées à Satan, aux idoles. Vous vous rendez compte? Ah ah! Comment Jézabel, la servante, la ministre de Satan, s'est-elle, n'est-ce pas, organisée pour égaré. Égaré ici, c'est planao. Planao veut dire sortir du droit chemin, séduire, faire quitter quelqu'un le chemin de la vérité. Comment cette femme s'est-elle prise? Eh bien, par les enseignements. Par les enseignements, didasco. Enseigner. Les faux enseignements. Ah oui, parce que ça vient du grec enseigner ici, c'est didasco. Par les faux enseignements. Et comment Satan s'organise-t-il pour séduire les gens? Par les enseignements. Les fausses doctrines. C'est-à-dire les doctrines qui disent qu'il faut adorer l'homme. Les gens se mettent à genoux devant les hommes. Les gens, n'est-ce pas, vont tout autour de l'homme. Les gens divorcent, se remarient, on le dit, c'est pas grave. Dieu vous aime quand même, Dieu vous pardonne. Voyez, il dit, tu laisses cette femme, Jézabel, enseigner pour séduire, pour faire sortir du chemin mes esclaves. Et une fois qu'ils sont égarés, une fois qu'ils ont reçu les... Parce que pour égarer quelqu'un, il faut lui donner des faux enseignements, notamment la Trinité. Ben oui,
On nous a fait croire que, et on continue encore à nous faire croire que Dieu est trois. Trois en un. Voyez? C'est terrible. Et des faux enseignements. On vient, on vous dit, non, mais regardez les bishops, là, ils sont sur le net, non? Vous voyez pas? C'est des superstars. Soyez comme eux. Vos modèles de musiciens, c'est qui? Les Américains, là, qui se glorifient, là? Qui chante avec les gens du monde? Hein? Qui ont des, à qui on donne des coupes, maintenant, on joue des coupes? Hmm? Vous voyez? Oh, Seigneur. Hmm? Chaque année, ça organise des séminaires à la Pâques, séminaire, Pâques 2019, tout ça. C'est ça que vous voulez? Hmm? Cet évangile qui vous pousse à coucher avec des femmes d'autrui, des hommes d'autrui, hmm? À briser le foyer, à laisser les enfants en plan, étant chrétien, divorcé, les enfants sont... étant, vous êtes chrétien, divorcé, les enfants se retrouvent dans la rue. Et on va, on va donner quel exemple à ces enfants-là? Hmm? Voilà les enseignements que les gens veulent. À peine quelqu'un qui est converti, on commence déjà à lui parler du ministère. Ministère, t'as un grand ministère, 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 ministère. On lui vend le ministère, alors au lieu de présenter le Dieu qui sauve. Et voilà les enseignements que Jézabel a donnés. Et elle est allée plus loin. Regardez ce que Dieu dit. Elle enseigne et égare mes esclaves pour qu'ils se prostituent. Donc la prostitution ici, c'est l'idolâtrie. Ces photos des pasteurs, ces calendriers avec des photos des pasteurs. Hein? L'idolâtrie de l'amour de l'argent, on vous parle, pour, on vous prêche l'argent. Le dieu mammon qui est devenu, qui a son trône dans les assemblées. Hein? Le dieu matériel. Hein? Et ensuite, les gens mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Donc oui, ils sont à la table hein? Et ça mange. La viande sacrifiée aux idoles, c'est fausse doctrine. Vous avez vu? C'est terrible. Et là, on nous dit. Et ensuite, Dieu dit, et je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente de sa relation sexuelle illicite. Relation sexuelle illicite, vous pouvez... En fait, ici, il y a de tout. Toutes sortes de pratiques sexuelles anti-bibliques. Voilà. Dans le mot grec ici, il y a tout. Zéophilie, tout ça, là. Pédophilie, la totale. C'est ce qui est rentré dans nos églises. Et Dieu dit, mais elle ne veut pas se repentir. Mais elle ne s'est pas repentie. Parce que ces personnes, ces gens sont serviteurs de Satan, ils ne vont pas se convertir. Il n'y a rien à faire pour eux. Et Dieu dit, voici, je la jette sur un lit pour une grande tribulation, ainsi que ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Et je ferai mourir de mort ses enfants. Donc, vous voyez cette église-là? Elle a des enfants. Vous voyez, la Jézabel ici, c'est l'église catholique. Vous voyez? Elle a des enfants, l'église protestante, les églises évangéliques, tout ça là. Voilà. Vous avez vu? Dieu dit, je vais la jeter sur un lit. Donc, elle a un lit où elle invite les gens à l'adultère. Il y a la table, il y a un lit. Voyez? Et il dit, et toutes les églises seront. Hein? Et toutes les églises, et je ferai mourir de mort ces enfants, et toutes les églises sauront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Vous voyez les yeux là? Ouais, parce que c'est pour sonder. Qu'est-ce qu'il a sondé? Regardez encore. Et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Mais je vous dis à vous et aux autres qui sont à Thyatire, et à tous ceux qui n'ont pas cette doctrine, et qui n'ont pas connu quoi? Les profondeurs de Satan, comme ils disent. Je vous dis, je ne mettrai pas sur vous d'autres charges. En fait, Satan est venu et il a connecté les humains à ses profondeurs. Et ça, la sorcellerie. Donc voilà une église qui se transforme à une église de sorciers. Il y a une sœur qui a témoigné la dernière fois. Là. Son enfant a eu la sorcellerie où? Dans une assemblée. Vrai ou faux? Ben oui. Ben oui, par les bonbons beignets. Mais, mes amis, mais beaucoup de gens qui ont attrapé la sorcellerie aujourd'hui, c'est dans ces églises-là. Vous croyez quoi? Il y a un pasteur, quelqu'un peut aller dans mon bureau là, et Julien, s'il te plaît,
Un pasteur qui est venu me voir, un jeune Congolais. Son père spirituel dirige une grande assemblée au Congo-Kinshasa, numériquement parlant, mais pas devant le Seigneur. Et ce pasteur vient, il dit, je suis fatigué, je viens, que tu pries pour moi, et je ramène mes deux livres magiques. Parce que, il dit, mon père spirituel, quand il vient à Paris, il peut dépenser 15 000 euros en ouvrage mystique. Et il rentre avec, c'est des valises qu'il remplit, il rentre avec au Congo, et il va lire, et il a plus de 2000 membres. C'est un sataniste. Et il commençait à initier ce jeune pasteur à, n'est-ce pas, au culte maçonnique, démoniaque, satanique. Vous allez voir ces deux livres-là. Vous allez comprendre que ce n'est pas dans les églises. Il se transforme en pasteur de Dieu, pasteur vrai, un vrai chantre. Ils vont intégrer les églises physiquement. Satan les envoie dans les églises. Entrez là-bas. Vous croyez que quand Dieu m'a dit sors des églises, vous savez que c'est en vain? Si j'étais resté, je serais tombé bien comme il faut. Je vous dis. Parce qu'ils envoient, les démons, les Satan, la tête, envoient des femmes pour intégrer les chorales, intégrer les groupes, groupes de louanges, groupes d'intercession, groupes de prière, tout ça là, groupes de si, groupes de papa, groupes de maman, groupes de femmes, groupes d'hommes, la jeunesse, tout ça, école du dimanche, partout, allez-y. Commencez à ensorceler les enfants par des enseignements démoniaques, par des impositions des mains, par des agapes non sanctifiées, des nourritures envoûtées. Combien sont tombés même chez nous là? Quand on parlait de ça, ils rigolaient. Ils sont tombés. Commencez à introduire des serpents. Commencez à introduire l'esprit d'impunicité. Commencez peu à peu à introduire l'amour de l'argent qui ne parle plus de la parole, de la croix, de la sanctification, du retour de Jésus-Christ, de l'enlèvement de l'Église, qui parle du matériel, du monde, le monde. Alors que la parole dit dans 1 Jean 2,15, Dieu dit n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Entrez là-bas, commencez à leur dire qu'ils sont champions. Commencez à leur dire qu'ils ont les grands ministères. Commencez à leur donner des prophéties qui glorifient leur chair. Comme cette femme dans Actes 16 qui disait, ces hommes-là sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voix du salut. Une fois, on peut dire oui, mais elle a fait ça plusieurs fois. Et Paul dit, à chaque fois, ces hommes-là, Paul dit, non, tu me glorifies. En gros, hein, Paul a eu le discernement parce que cette femme ne glorifie pas le Seigneur. C'était Paul. Or, dans Apocalypse 19, 10, la parole dit, et l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Donc, la parole de Dieu de Genèse Apocalypse a pour but de révéler, de glorifier, de magnifier Yehoshua. Mais quand un message glorifie l'homme, ton père spirituel, ton église, attention, ce n'est plus Dieu là-dedans. Il n'y a plus Dieu. Donc, toutes les fois où tu as fréquenté des assemblées comme ça, là, tu as mangé à la table des démons. Tu as bu la coupe des démons. Alléluia. Quelqu'un peut dire à Julien, je pense que Julien est en train de chercher, c'est sur le bureau là, à côté de l'armoire, sur le bureau en dessous. Là où il y a l'ordinateur, là, le grand ordinateur en dessous, juste en dessous. Vous voyez, c'est grave, l'heure est grave. Donc ici dans l'église de Thyatire, Satan a envoyé sa ministre, sa servante, Jézabel qui est rentrée. Et elle est venue, elle n'est pas venue seule. Elle est venue avec une valise remplie de fausses doctrines. Et son objectif était d'amener l'église à connaître les profondeurs de Satan. Et c'est ce qu'elle a réussi à faire. Alléluia. Oh Seigneur. Voilà les deux livres que ce pasteur m'a ramenés. Les portes de la lumière
Et on sait que Satan se déguise en ange, il se transforme en ange de lumière. Donc, dans ce livre-là, ce pasteur devait être donc initié à la sorcellerie, à la lumière luciférienne. Les portes de la lumière est une encyclopédie kabbalistique. Deuxième livre, l'alphabet hébreu et ses symboles. Et on nous dit l'alphabet hébreu et ses symboles, après avoir montré l'origine de l'alphabet hébreu et ses fondements mystiques, révèle les mystères de chaque lettre à l'aide des textes fondamentaux de la Kabbale. Ce livre est un manuel indispensable pour tous ceux qui étudient la Kabbale, mais également pour tous ceux qui sont intéressés par le symbolisme et l'origine des alphabets. Voilà. Ce pasteur a eu... Non. Il dit non, moi je ne veux plus. Il a ramené ça, je priais pour lui au nom de Yeshua. Voilà. Et tu vas brûler ça là. On va brûler ça tout à l'heure. Au nom de Yeshua. Vous voyez ce qui se passe? Donc, en lisant de tels ouvrages, vous lisez, les démons commencent à rentrer en vous sans que vous ne vous rendriez compte. Et ça rentre, ça vous pénètre. Et ce pasteur-là, vous voyez, il dirigeait un groupe. Heureusement qu'il est sorti de là. Mais imaginez maintenant vous tous, les gens qui allaient là, dans cette assemblée-là, qui mettaient leur tête comme ça pour que le pasteur leur impose les mains. Ils recevaient des démons. Voilà pourquoi dans beaucoup de familles, vous allez voir l'inceste, l'impudicité, tout ça là. Il y a un mélange de sexe, un mélange de corps, un tel va avec un tel, tout ça là. Les démons sont là en train d'opérer, les petits serpents là, même des gros boas, ils sont là, assis. Les profondeurs de Satan. Et Dieu dit que l'esprit sonde les profondeurs de Dieu. Mais de l'autre côté, vous avez aussi les profondeurs de Satan. Ces livres-là, voyez, on dit non, initiez-vous. Beaucoup des pasteurs que je connais sont rentrés dedans. Moi, on m'avait appelé. Ouais, on est venu me voir à deux reprises. Un diacre qui priait avec nous il y a 17 ans m'amène un monsieur français, blanc d'origine italienne, envoyé par un pasteur noir américain qui a une grande église de 30 000 personnes ayant la plus grande banque chrétienne au monde. Ce diacre qui était sorcier, qui est avec nous, avec sa femme, est venu avec ce monsieur. Je les ai reçus au bureau à l'époque. Et le monsieur commence à pleurer en me regardant, il pleure, il dit non, je vois dans tes yeux que tu es un apôtre, mais il faut que tu viennes avec nous. Je lui ai dit, jamais de la vie, je ne vendrai la vision que Dieu m'a donnée. Jamais de la vie, je ne vendrai l'évangile. Parce qu'il était question que j'ai un gros salaire, jamais. Quelques jours après, un autre pasteur blanc, français, m'appelle, je ne sais pas comment il a eu mon numéro, c'est vrai que je change mon numéro tout le temps. Il dit, je travaille avec des pasteurs, tout ça là, plusieurs pasteurs, notamment des pasteurs africains, et nous faisons des réunions ici et là. Moi, je gagne 30 000 euros, et toi, tu peux gagner autant, si tu veux te joindre à nous, jamais de la vie. Et beaucoup de pasteurs sont rentrés dedans. Voilà pourquoi beaucoup vont commencer à porter des soutanes. C'est l'initiation franc-maçonnique, tout ça là, maçonnique et mystique. Et peu à petit, on va commencer à leur dire de ne plus dire au nom de Yeshua, au nom de Jésus, mais de commencer à dire le Dieu de tant, le Dieu de papa, le Dieu de tel pasteur, le Dieu, en fait, c'est un autre Jésus-Christ. Et vous ne vous rendez même pas compte. Et ils viennent, ils font des séminaires, ils rentrent dans les salles de séminaires en grande pompe comme des véritables rois. On les appelle des généraux, on leur donne des titres terribles et les gens
rigolent même quand ils voient, ils ne se rendent même plus compte que les démons sont en train de se moquer de notre Père, les démons sont en train de pérer dans les églises, tout ça. Des chrétiens sont envoûtés, contrôlés, manipulés, tout ça là. Et les gens, beaucoup ne se rendent même pas compte. Il n'y a qu'à voir la tenue de ce chrétien, vêtements serrés, caleçons serrés, les fesses en l'air, les seins en l'air. Et tout le monde trouve ça normal, tout le monde. C'est, il n'y a plus, c'est normal quoi. Ça, on normalise le péché. Et quand on tape, on dit non, il n'y a pas l'amour. Vous voyez? Ils sont déjà mordus, piqués, envoûtés. Je pars à Brazza prêcher. Dans une grande assemblée là-bas, un grand, selon les hommes, hein, un grand apôtre, une grande salle. Cet apôtre me met dans un appartement avec une femme qui devait s'occuper de... à l'époque, on était dans le système religieux, là, bien comme il faut, là, pour s'occuper de mon linge, un homme pour avec un véhicule pour moi, tout ça. Donc, et la nuit, je dors comme ça, là, une nuit. Cette femme vient me voir, elle me dit, je voudrais faire une alliance avec toi. Je me réveille, je dis, au nom de Yeshua, au nom de Jésus, tu ne vas pas, ça ne marche pas. Et je dénonçais ça publiquement à l'assemblée devant tout le monde. Je dis, je ne veux plus rien avoir avec vous. Et Dieu m'a dit, sors de là. Je suis sorti. Et ce pasteur est franc-maçon. Il va avec des femmes. Vous voyez les alliances? Donc, ils vont s'infiltrer. Ils vont se positionner. Ils vont prendre de l'ampleur. Ils vont être reconnus anciens diacres, évangélistes, prophètes, pasteurs. Ils sont là, assis, au milieu de nous. Et ils prennent de l'ampleur. Et ils vont, dans les coulisses, prendre les contacts souvent des frères et sœurs qui sont naïfs. Ils vont leur dire, on va venir voir une visite chez vous. Ils vont chez les gens, ils vont prophétiser sur eux, leur imposer les mains. Ils vont commencer à vouloir leur dire, ça c'est ta femme, ça c'est ton mari, ça c'est... Voilà, ils vont commencer à... ils sont terribles. Ils sont au téléphone. Ça appelle tout le monde au téléphone. Pour parler. Je vais prêcher, je pars à Kinshasa prêcher dans une assemblée. Pendant que je prêchais, le Seigneur me montre, me dit, la plupart ici sont satanistes. Appelle les sorciers devant. Ils ne voulaient pas sortir. Dieu insiste. Hop, l'onction est tombée sur l'assemblée. Et ils sont venus. Ils ont commencé à dire devant tout le monde, une sœur qui était dans le protocole. Elle dit, moi, je tue mon frère. Jeune sœur de quoi? 19 ans, 20 ans. On lui pose la question, comment? Elle dit, j'ai pris une massue. Je cognais, je tapais sur sa nuque. Il est tombé raide mort. On a dit crise cardiaque. Mais un jeune garçon de quoi? 17 ans, raide mort. Il est mort. Ils sont partis l'enterrer. Et des enfants qui confessent, jusqu'à présent, qui continuent à confesser, même lors des réunions des prières ici, les gens viennent dans les coulisses. Moi, j'ai telle mission, on m'a envoyé par le diable, tout ça. Je me suis infiltré, mais je ne peux plus, il faut que je confesse. Il y a tellement d'histoires liées à la sorcellerie dans les assemblées. Que ce soit les assemblées martiniquaises, guadeloupéennes, haïtiennes, africaines, françaises, asiatiques, n'importe quelle assemblée. Je vous dis, un dirigeant d'église, un pasteur qui reste pasteur plus de 3 ans, il finit par être contrôlé par les sorciers de l'assemblée. Dieu n'a jamais prévu que quelqu'un dirige une église plus de 3 ans. Jamais. Il faut apprendre à bouger. Les pasteurs qu'on a formés ici, qu'on a envoyés en mission et qui ont voulu garder les églises, on a vu comment ils sont tombés. Ça a commencé à envoyer des SMS aux femmes. Parce que les sorciers de ces églises-là les ont attaqués avec des flèches. Et comme Dieu, le temps du Seigneur pour eux là-bas était fini, au lieu de bouger, ils n'ont pas bougé, ils ont été fléchés. Et quand on dit non, 3 ans après, il faut bouger, les gens pensent que non, il exagère, ça c'est lui. Ils sont, tous ceux qui disaient ça, la plupart sont tombés. Ils ne comprennent pas. Paul travaille pendant 3 ans à Éphèse, ensuite il part. Dieu le prend, il le met en prison. C'est pour le protéger. Nous sommes en guerre. En guerre. Des femmes qui avaient le feu, des femmes qui avaient l'onction, des hommes qui avaient l'onction et qui ont commencé à côtoyer des frères et sœurs dans les assemblées, sans étant dans la chair. La communion spirituelle, la communion fraternelle, elle doit être spirituelle. Et on ne peut pas avoir une communion avec une foule.
Le Seigneur les a envoyés deux à deux. Hmm? Vous prenez la scène, le repas du Seigneur avec une foule de gens. Vous ne connaissez même pas leur vie. Vous vous mangez autour d'une même table. Est-ce que vous connaissez l'état spirituel des uns des autres? Le Seigneur a pris ce repas avec 12. Mais l'un d'entre eux est un diable. Il dit carrément, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous est un diable. Mm-hmm. Quand le Seigneur me dit, dis aux gens, tu ne vas plus voyager en passant par des groupes. Les gens disent, il est méchant. Non, il ne nous aime pas. Mais les gens ne comprennent même pas les choses. Qu'est-ce que moi je vais avoir contre vous? Je n'ai rien contre vous. Quand si Dieu me dit ne passe plus par un groupe pour aller en mission, c'est parce qu'il a vu que certains commençaient à vouloir me contrôler. Les gens s'infiltrent. Ça n'a rien à voir avec un frère, avec une sœur, rien à voir. Vous ne vous rendez pas compte, l'esprit de contrôle. Parce que la sorcellerie, c'est l'esprit de contrôle. Tu es converti et quelqu'un commence à vouloir t'approcher. Je veux te former, contrôle. C'est ça la sorcellerie. Viens chez moi, on va partager la parole. Contrôle. Là, je veux venir chez toi. Contrôle. Priez que Dieu vous montre qui est qui. Seigneur, montre-moi l'état spirituel de la personne. Pourquoi cette femme veut à tout prix m'enseigner? Pourquoi? Parce que l'esprit de la sorcellerie, c'est l'esprit de contrôle, l'esprit de manipulation. Et ça vient souvent comme ça, ces hommes et ces femmes, en disant, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, Dieu m'a montré, Dieu m'a dit quelque chose sur ta vie, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et quand tu as affaire à quelqu'un qui te dit tout le temps, à chaque fois que tu l'auras, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, attention parce que tu vas tendre l'oreille, tu vas commencer à te contrôler. Tu vas moins lire la parole du Seigneur, moins aller toi-même consulter le Seigneur et la personne va devenir ton prophète ou ta prophétesse. Et là, tu es pris. Prise en otage, fini, embarqué. Le temps de réagir, de te réveiller, tu auras perdu beaucoup d'années, beaucoup de choses, beaucoup de grâces. Voilà pourquoi Paul dit, vous avez été acheté à un grand prix. Dans 1 Corinthiens 7, 23. Ne devenez pas esclaves des hommes. Mais il parle de ces hommes-là qui sont là. Les sorciers, les satanistes qui sont dans les assemblées. Il dit, dans Galates 5, c'est pour la liberté de Christ. Il dit, restez dans la liberté pour laquelle Christ nous a rendus libres. Ah bah oui. Ah oui. Il dit, c'est les gens qui se glissent parmi vous pour épier la liberté que nous avons en Christ. Vous avez vu? Qui se glissent. Ils se glissent. Et Jude dit quoi? Ces hommes dont la condamnation s'est écrite depuis longtemps, qui sont glissés parmi vous, dont l'objectif, on a presque fini, est de vous amener aux profondeurs de Satan. C'est ça l'objectif, tout simplement. Car il s'est glissé certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en luxure sans bride et qui réunit le seul maître, Yehoshua Mashiach, notre Dieu et Seigneur. C'est terrible ce que Jude dit ici. Jude dit que Yehoshua est notre maître et notre Dieu. Et quand ces hommes-là entrent dans les églises, ils vont commencer à enseigner. Il dit, ils changent la grâce de Dieu en luxure sans bride. La luxure, vous savez ce que c'est, hein? Le sexe à fond. Mais sans bride. C'est que tu n'es plus bridé. Et ils vont parler de la super grâce. Voyez? Ils vont dire, la super grâce, Dieu est tellement amour qu'il va couvrir quand même ton péché, il n'y a pas de problème. Hein, tu divorces, c'est pas grave. Dieu est amour. La super grâce. Donc ils vont dire, non, il ne faut pas dénoncer le péché, dénoncer le mal, il ne faut pas dénoncer parce que ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. Vous voyez? Ils changent la grâce de Dieu en dérèglement. Voilà pourquoi vous avez des ouvrages chrétiens, soi-disant, écrits par des chrétiens qui encouragent la masturbation. C'est un péché! Les rapports sexuels avant le mariage, péché! Vous voyez? «
Odysse et les impies. Leur condamnation est écrite depuis longtemps. C'est-à-dire, ils sont nés pour être pris et détruits. Comme Caïn. Comme Jannès et Jambrès, les deux magiciens de Pharaon. Comme Alexandre le forgeron, qui s'est opposé à Paul. Comme Jézabel. Vous voyez ? Comme Ésaü ou Ésav, il n'y a rien à faire. C'est pour ça que vous pouvez voir sur le net des pasteurs qui trichent, des pasteurs qui font. C'est là. Regardez la plupart des musiciens congolais, même si on parle de musiciens congolais, parce que c'est eux qui chantent beaucoup aussi. Beaucoup sont divorcés, remariés. Et pendant leur remariage, là, leur fête, là, vous avez des soi-disant grands pasteurs qui sont là-dedans. Regardez les églises en France. Il y a beaucoup de pasteurs français qui sont francs-maçons, pour votre information. Francs-maçons. Des écoles bibliques, beaucoup sont gérées par des francs-maçons. Des instituts bibliques, tout ça, la maison de la Bible, gérée par des francs-maçons, beaucoup. Pour falsifier la parole, pour sortir des Bibles trompées, falsifiées. Et quand la vérité vient, les gens disent, c'est le mensonge, c'est le faux, c'est la... Vérifiez les Écritures, vérifiez les textes originaux, vérifiez. Voyez ? La fausse Église, elle est là. Maintenant, pour finir, vous allez me dire, frère, on fait comment ? Le Seigneur a dit que ça allait être terrible. Le Seigneur a dit que la foi allait être menacée. Le Seigneur a dit, n'est-ce pas, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi ? En gros, non. Voyez ? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire face à tout ça ? Ben, un conseil. Vous avez la parole, vous avez l'esprit. Vous aimez le Seigneur ? Vérifiez. Pliez le genou. Gardez votre foi. Quoi qu'il arrive, gardez votre foi. Voilà. Si le Seigneur permet ce qui est séparation, ben, n'hésitez pas. Il n'y a pas de sentiment. Plus de sentiment. Voilà. Plus de sentiment. Soyez responsable de votre vie spirituelle. Soyez responsable de votre méditation de la parole. Soyez responsable de votre culte. N'acceptez plus qu'on dise à quelqu'un d'autre qu'il est responsable de ta vie. Non! Oh, les responsables de l'église, non. Tous les chrétiens sont responsables au sein de l'église locale. Voyez? Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, c'est la persévérance. Méditation, prière. Méditation, prière. Pour tenir. Sinon, c'est foutu. Foutu. Voilà. Alors, Dieu va permettre certainement au mois d'août et vers fin août, si le Seigneur permet, qu'on ait encore un temps de formation là-dessus. Et sinon, les 24 et 25, on sera vers Niort. Et que le Seigneur nous garde. Combattons le bon combat, le combat de la foi. Enseignez la foi à vos enfants, priez pour vos enfants, et priez pour vos couples, prions pour nos familles, au nom de Yeshua. Et par-dessus tout, le Seigneur a vaincu les sorciers. Et ils le savent. Il est au-dessus de tout nom. Que Dieu vous garde, que Dieu vous soutienne dans vos combats, vos luttes, au nom de Yeshua, notre maître. Seigneur, nous te bénissons. Nous bénissons ton nom pour la victoire que tu as acquise pour nous, Seigneur, notre Dieu. Seigneur, nous refusons, nous renonçons, Seigneur, à Jézabel, à l'esprit de Babylone. Nous refusons, mon Dieu, Père des armées, n'est-ce pas, de manger à la table de démons, à la table de serpents. Nous refusons les fausses doctrines. Nous voulons élever la bannière de Yehoshua. Nous voulons élever, Seigneur, mon Dieu, Père, alléluia, l'étendard. Nous voulons élever, Seigneur, mon Dieu, Père, ton nom. Dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos maisons. Nous confessons que nous t'appartenons, Yehoshua. Nous confessons que nous appartenons à Yeshua Mashiach, à Jésus-Christ de Nazareth. Nous renonçons au mal. Nous mettons dehors les serpents. Dehors, Seigneur mon Dieu, le péché. Nous ne voulons pas d'autre Dieu que Jésus-Christ. Seigneur, délivre-nous au nom de Yehoshua. Délivre-nous, Seigneur, mon Dieu. Sauve-nous, Seigneur. Délivre, guéris, restaure. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Oh, Seigneur. Au nom de Yeshua. Toutes les impositions des mains que nous avons reçues des faux serviteurs, nous renonçons à ces choses-là au nom de Yeshua. Oh, Père. Alléluia. Oh, Alléluia. Nous brisons les paroles de condamnation. Nous brisons les chaînes.
Nous renversons les liens. Nous renversons les choses mauvaises, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous brisons les paroles de malédiction. Nous renversons tous les plans de l'ennemi, Seigneur, contre nos vies. Et nous prophétisons la vérité, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, alléluia, nous confessons ton nom, Seigneur, mon Père. Ô Dieu de gloire, Dieu des armées. Seigneur, merci. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Qui veut renoncer à un péché? Qui veut renoncer au péché? Gloire à Dieu. Tu peux venir? On va prier pour toi. Venez, vous qui voulez abandonner le péché. Le Seigneur veut vous rendre libre, libre de ces choses-là. Au nom de Yeshua, alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia, magnifique Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. Le Seigneur va briser des choses, briser des liens, briser l'emprise de l'ennemi sur vous, dans vos vies. Le Seigneur va briser ces choses-là au nom de Yeshua. Il va vous rendre libre, totalement libre, afin que vous le serviez véritablement. La puissance du péché va être brisée dans vos cœurs, dans vos vies, là, au nom de Yeshua. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, merci mon Dieu, mon roi. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, nous allons briser les chaînes, renverser les chaînes dans leur vie, là, mes amis. Là. Au nom de Yeshua, alléluia, Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ta puissance, mon Dieu. Merci pour la puissance, mon Dieu, Père de l'Évangile, Père de gloire. Seigneur, que ton onction, Seigneur, brise les chaînes, Papa, dans la vie de nos frères, dans la vie de nos sœurs, mon Dieu, Père. Nous proclamons ton nom, mon Père, mon Dieu. Alléluia, gloire à Dieu, Seigneur. Merci pour ta puissance, ô Père. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom. Renoncer à la vie du péché, à la vie, n'est-ce pas, du mal. Le Seigneur veut nous sauver, il veut vous sauver, il veut que vous soyez avec lui au ciel, mes amis, là, au nom de Yeshua, alléluia, gloire à Dieu. L'ennemi va quitter vos vies, là, il va quitter vos vies, il va quitter vos âmes. Au nom de Yeshua, parmi vous, il y en a qui ont été blessés dans la famille, là, dans leur famille, qui ont été cassés, il y en a qui ont été violés, tout ça, là. Le Seigneur va briser ces paroles de malédiction familiale, tout ça, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, alléluia, gloire à Dieu. Nous allons prier pour eux, mes amis, prions pour eux au nom de Yeshua, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, tu quittes ce corps-là, tu quittes ma soeur, tu la lâches au nom de Yeshua, alléluia, gloire à Dieu. Tu lâches sa vie-là, tu lâches sa vie-là au nom de Yeshua, alléluia, au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu as quitté ce corps-là. Tu quittes ce corps-là. Tu quittes ce corps-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Clara, on va prier pour les saints. Si c'est possible. Hein? Gloire à Dieu. Alléluia. Le Seigneur va briser ces chaînes au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Que ces chaînes soient brisées dans la vie de mon frère. Au nom de Yeshua. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu as quitté ce corps-là. Tu quittes ce corps-là. Au nom de Jésus. Tu quittes ce corps-là. Va prier pour eux, là. Va prier pour eux. S'il te plaît. Alléluia. Gloire à Dieu. La puissance de Dieu va briser ces chaînes dans vos vies, là, au nom de Yeshua. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Seigneur, merci pour ma sœur. Qu'elle soit libérée, Seigneur, mon Dieu. Qu'elle soit libérée, qu'elle soit restaurée, Seigneur, Père, au nom de Yeshua. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ta puissance, ô Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Magnifique. Magnifique. C'est fini, fini ces chaînes-là. Dieu les brise au nom de Yeshua. Les brise. Jesus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Le péché n'aura plus d'emprise sur vous, là. C'est fini. C'est fini. C'est fini au nom de Yeshua. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qui veut prendre son baptême, là, ce soir, là? Au nom de Yeshua. Alléluia. Gloire à Dieu. Viens. Gloire à Dieu. Ça va? Oh, Seigneur, que ma soeur soit libérée. Qu'elle soit libérée. Libérée au nom de Yeshua. Libérée. Au nom de Jésus-Christ. Voilà. Gloire à Dieu. Soyez fortifiés, encouragés. Lisons les Écritures. On finit.